pays d'Haïti. Nous devons combattre à toute force. Il faut que l'État nous a numérisé. Nous arrivons à numériser l'administration publique nous, pour le qualité efficacement contre le fléau. La réforme n'a fait dans le secteur énergie est important en pile. Si nous voulons mettre le pays à ce chemin de développement, dans 9 millions de monde qui n'ont pas courant la caille dans les Caraïbes, 7 millions de monde qui ont trouvé dans le pays d'Haïti. Ce n'est pas un hasard. Son choix que l'élite a fait pour construire l'État qui travaille contre le peuple. Comment on imagine en 2020 gagner environ 70% de monde dans le pays qui vivent sans courant la caille? Mais des monde qui vivent dans le voisin, monde qui vivent dans Jamaïque, monde qui vivent dans Bahamas, qui quantité de monde qui gagne courant la caille? Et pourtant, ou même ça va déranger. Mais moi-même, que peuple ça, ce bail gauche, ça, mission ça, il dérange. Et c'est pour ça que je travaille, pour que le problème ça, il résout. Peuple haïtien, c'est ma foi mieux. Je te promets nous pour me nous courant 24 sur 24. Je ne suis pas arrivé à faire ça dans le délai que je souhaitais. Je vais profiter de gros jours ça pour m'excuser devant nous. Moi, je suis mal évalué la force qui est en face de moi. La force ça yo puissant en pile. Je prends forme à couleur ou vle, l'air ou vle, côté ou vle, pour qu'il y ait un système pesé sous ça en place. Et vous capturez l'État des petits cocombes, tapgoumé et berigène. Vous contrôlez les plus grosses institutions nous avons dans le pays pour défendre les privilèges et les intérêts. Nous tout sommes à clair. Dans qui niche couleuvre, moi fouille même. L'aime décider d'engager dans une série de réformes dans le pays. Je te prends courage avec des bois. Je te mets quand son nom taille moi. Jean nous demande de pour me faire ça. Mais, j'aime ce dire là. Je comprends et je connais ce qui est bon pour le pays. Elle m'a dit, nous, peuple ici. Bataille a dit en pile. Il dit en pile, en pile. Mais pas de personne. Je dis, pas de personne. Qui puis fort parce que l'État, là, il décide de mettre l'ordre dans des ordres. Je comprends toute souffrance et misère dans la pandémie. Je ne pas jamais oublier. Je dis nous ça. Pas jamais oublier. Que c'est dans le temps nous, je sortis. Je ne pas trahir nous. Et je ne pas jamais trahir nous. Bagayou difficile, c'est vrai. C'est notre tête ensemble, nous avons joué une bonne solution pour retirer le pays en bas d'un coulève sept têtes ça, qui c'est blackout, surfacturation, insécurité, pauvreté extrême, contrebande, fraude avec évasion fiscale, non accès à bon gens crédit. Bagay ça yo, c'est yo qui mettait Haïti dans le calfou dangereux ça qui est lié aujourd'hui. C'est eux qui mettent le pays à sous route misère et sous développement. Bagage ça, c'est eux qui font groupe politique, veulent faire affrontement yon ak l'autre. Et bagage ça, c'est eux qui inspirent, qui disent que je dis à c'est eux pour me combattre. Mais ce n'est pas frère qui est dans l'opposition politique pour me combattre. Profiter de 1er janvier 2021 pour message là que m'a parlé, que m'a dit depuis campagne électorale moi, pour me dire tout le monde qui décide de faire politique dans le pays, c'est pour nous mettre tête nous ensemble.
pour nous capables de joindre bon gens accord, pour nous capables de joindre bon gens solution, pour nous capables de mettre un gouvernement campé, pour nous aller résoudre ensemble le problème du peuple là. Peuple haïtien, chers compatriotes, mesdames, messieurs, le 1er janvier 1804, nos ancêtres nous ont donné une nation. Cette nation est la source des motivations de nos raisons d'agir. Toutes les mesures de développement ou de bien-être font référence à un cadre national. La construction de la nation est préalable aux initiatives et aux décisions devant conduire à plus de bonheur collectif. Il nous faut avoir le courage de reconnaître que nous n'avons pas réussi à nous construire cette maison commune qu'est la nation haïtienne. L'État lui-même s'est érigé contre la nation. Il est donc venu le temps d'expliciter cette idée programme selon laquelle nous nous proposons de transformer l'État pour transformer la société. En fait, notre pays n'est jamais sorti du pacte colonial, des structures coloniales de Saint-Domingue. Les anciens esclaves devenus paysans ont continué pendant tout le 19e siècle et jusqu'à la seconde moitié du siècle dernier à produire les denrées que les bords de mer exportaient aux anciennes métropoles coloniales. Ils n'ont jamais eu ni route, ni école, ni hôpitaux, ni eau, ni électricité. L'État, notre État, n'a servi qu'à garantir les conditions de reproduction de cet ordre post-colonial. Tout l'État a servi à perpétuer cet état de choses. Ceux qui continuent à s'enrichir trouvent normal qu'ils ne paient pas de taxes, trouvent normal qu'il ne puisse exister aucune compétition, trouve normal qu'il fixe les prix aux consommateurs, et surtout quand ce consommateur, c'est l'État lui-même. L'État, en somme, n'existe que comme source de rente sous différentes formes. De cette façon, des groupes se sont enrichis sans jamais participer à l'effort de production, de création de richesses. Ils se sont enrichis aux dépens de l'arrière-pays, du pays en dehors, qui maintenant peuple nos quartiers défavorisés. Nos élites n'ont jamais su construire la nation où tous pourront se retrouver pour la poursuite de rêves communs à nous tous. Il est regrettable que les quartiers défavorisés soient aujourd'hui instrumentalisés pour la poursuite d'objectifs contraires à l'idéal de Dessalines de construire une nation aussi pour ceux dont les pères sont en Afrique. Comment ne pas nous le rappeler en ce 1er janvier, date à jamais sacrée dans l'histoire des libertés. Transformer l'État pour transformer la société. C'est mettre fin aux multiples liens par lesquels l'État est tenu en otage pour l'empêcher de répondre à ses fonctions primordiales de renforcement de la cohésion nationale, de garantir la sécurité des frontières, des vies et des biens, de collecter les ressources nécessaires à la réalisation de ses fonctions, bref, de se mettre au service de la nation. L'État doit prendre le contrôle des frontières par le contrôle des douanes maritimes, terrestres et aériennes. L'État renforcera la cohésion nationale et sociale par la sécurité des voies routières qui permettront aux personnes et aux biens de circuler librement, par le renforcement de nos institutions scolaires, par des programmes d'action civique pour des jeunes de toutes les couches sociales. Cette transformation
ne se fera pas sans résistance, qui prendra des couleurs différentes et qui, pour se justifier, développera des discours faussement rassembleurs. Encore une fois, nous invitons tous les fils et toutes les filles de cette nation, toutes les forces sociales, économiques et politiques, toutes les élites à construire un lendemain meilleur pour les générations à venir, à être positifs, à ne pas chercher de prétexte pour encore une fois rater l'occasion de se retrouver sur le chemin de l'histoire ensemble. L'histoire ne nous pardonnera pas, vous et moi. Quelles que soient nos divergences politiques, nous devons nous donner la main, nous asseoir autour d'une table pour discuter ensemble des réformes qui permettront au pays d'être gouverné, d'être mis sur les rails du développement durable. Mes chers compatriotes, en ce début d'année, de nombreux défis interpellent notre nation. Nous devons les relever tous ensemble, dans la fraternité, dans le respect des lois de notre pays, de nos institutions, dans l'esprit de concorde nationale. Haïti est pour nous un précieux héritage. Chérissons-le, aimons-le, sauvons-le. En ces temps difficiles, croyez-moi, je consacre. Avant de faire une nouvelle là, ou même qui attend des vidéos ça là, ou même qui a une douleur qui a mangé, ou qui a un gaz, gaz à la vie qui est en repos, gaz à la couille moutée dans tout le corps, gaz à la bonne problème, ou à faire gaz sous le monde, ou à dégober sous le monde, eh bien ça finit à toi. Parce que lorsque gaz là dans le sang, lorsque gaz là dans la santé, lorsque gaz là dans le ventre, c'est qu'il a porté une grosse maladie pour vous, si vous ne cherchez pas à retirer ça, si vous ne cherchez pas à traiter ça. Eh bien, on va parler avec quoi là, il y a une bouteille nous préparer pour moun gen gaz an dan yo, pou moun kap fè ki gen gaz la gonflé, ki pa ka supporter, des fois gaz la boule nan vente, eh bien, kon y a ce moment pa oublié pour jwenn guérison, pour retirer tout gaz sa nan vente ou. Eh bien, m'pral bon numéro de téléphone ça pour rele kon y a là, pour acheter bouteille là, pour yo placer commande là pour ou. Soit vivre quelque soit kon tori nan monde entier, ou jwenn bouteille ça, y a voué le ba ou devant porte la caillou. Pa kite gaz la tout monte ou, parce que gaz son bay ki danger en pile, et sa ka pou pa pote en pile gros maladie nan santé ou. Eh bien, rele kon y a le téléphone ça là, qui c'est 561-692-2814. 561-692-2814. C'est numéro de téléphone ça pour rele, pour acheter bouteille ça qui bon pour retirer gaz dans vent ou même qui t'en gen gaz cap manjo gaz à emploi ou gaz à bon anemi gaz à faut pas casser porter. Et bien rele dans numéro de téléphone ça 561-692-2814 561-692-2814. C'est numéro de téléphone ça pour rele, pour acheter bouteille ça qui bon pour moun qui gen gaz tout côté, bouteille pour gaz côté ou gen gaz l'ap aide ou. Merci en pile.